T'as pas encore eu le temps de me les... Rien, mais non. Rien. On est en effectif réduit. Et puis à force, tu dois avoir beaucoup de photos tout, avec tous les... À partir de lundi, je m'y mets. C'est... Tu vois, tu dois avoir beaucoup de travail. Hein. Non, mais bon. Pas de bécu, en fait. Si, mais là, ça va arrêter mieux. J'ai récupéré. Ah bon? Ça va, bon. Je me suis fait une roue sur le temps d'en acheter. Oui. Non, bah, tu marches un petit peu, faut que tu marches un peu. J'ai récupéré assez vite à la tienne. Alors, une photo. Tu viens avec nous quand même. Thank you.
Claude, où est-ce qu'elles sont les crachats? Ah, merci, mon père. La parole est ratée, toi. Tu veux bien te mettre là? Voilà, en fait, on se fait tout.
ça va ? Du temps qui vous occupez de faire les vidéos au parti parce que j'ai mon collègue en fait le parti de quel parti de normalement PCF. Ah non, je ne fais pas partie de ce d'accord parti. Non, c'est pas. Fils, t'es perdu ?
difficulté sanctionnée par une décision administrative inadmissible, la fermeture d'une maternité qui accueille chaque année aux environs de 1700 naissances. Nous commençons par une intervention du comité de défense. Nous demanderons à Monsieur le Président du Conseil de surveillance de dire quelques mots et de nous faire part de son soutien indéfectible et définitif. Puis nous entendrons une soignante, une sage-femme de cette maternité. Et je vous recommande tout particulièrement de saluer son courage. L'administration qui veut absolument fermer cette maternité sème l'inquiétude et la terreur parmi le personnel, menace de conseils de discipline tous ceux qui ne fonctionnent pas comme ils le souhaitent. Cette attitude est intolérable. Nous aurons donc à défendre, s'il le faut, cette sage-femme et l'ensemble du personnel d'ailleurs présent ici en cas de représailles. Nous ne tolérerons aucune représaille. La parole au comité de défense. C'est la caille à la saison dans notre voiture. On n'arrive pas à la rivière. Ah oui, mais on est encore sur l'entente. Si vous voulez, on commencera d'abord par faire un tour en arrière pour savoir comment notre bassin de vie a été touché. Rappelez-vous, il y a quelques années, le premier d'usine, la fermeture d'entreprise, la fermeture des sous-traitants qui travaillaient pour ces entreprises, a mis une période grandissante dans notre bassin de vie. Les cicatrices sont encore présentes aujourd'hui. Ça va mieux là ? Les cicatrices sont encore présentes aujourd'hui. Mais nous élus, on connaît les épaules. C'est pour cause. Mais ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est la maternité qui est visée. Mais c'est pas seulement la maternité. C'est l'ensemble de notre système de santé qui est menacé. En touchant fortement à la maternité, effectivement, vers de grandes limites. À partir de pour la maternité, souvenez-vous, je vous ai déjà bagarré pour le service des urgences. Pour des difficultés grandissantes, je connaissais les personnels soignants, avec des répercussions que ça va sur les patients. Imaginez la fermeture de cette maternité. Comment peut-on imaginer une seconde en sachant qu'il y a 50 ans de la maternité? Quelle est la zone? Malgré les explications de la direction, nous sommes effectivement loin d'être convaincus. Notre bassin est pauvre, 40% de la population n'a pas de moyens de transport, n'a pas de permis de conduire. Malgré une explication, ne vous inquiétez pas, entre les hôpitaux. Une question, il est 2h du matin, une femme en vie. Maman qui stresse en matière de valeur, l'empathie, les compressions, les produits. Ah, qui doit-il appeler le ciel, le mur? J'avais mobilisé des ambulances, le mur, les pompiers. Pendant que ces ambulances sont mobilisées pour un transport des moins dans ça, puisque le silence sur la génération de l'heure, il faudra effectivement des expertises de ce bonheur. Ça n'est pas tout. Des drames, un décès dans l'ambulance. Que va-t-il se passer? Contre qui va-t-on se retourner? Le médecin, c'est un incompétent. L'infirmière, la tête en l'air. Le chauffeur, c'est été plus vite pour arriver plus vite à l'hôpital.
pourrait presque penser à une station de passer avec tous les niveaux. Mais c'est pas évident. C'est pire que ça, nous savons. Chaque fois qu'il y a un problème dans les hôpitaux, ce ne sont pas ceux qui sont responsables qui sont trouvés dans les tribunaux, mais les soignants qui sont pour en faire. Petite justification extraordinaire dans toutes les époques. C'était il y a quelques mois. Une infirmière refusant la polyvalence se retrouve dans un service dont elle ne voulait pas. Un décès d'un enfant qui est pour rien. Voilà où nous en sommes. Et nous savons qu'ici, que partout en France, dans tous les hôpitaux publics, le personnel est à bout de charge. Bravo!
D'interpellation, on a un droit d'intervention, et la dernière fois, avec Jean-Pierre Bosino et Daniel Carlier, nous avons fait rentrer le comité de défense, une délégation. Merci. Merci à vous pour rien. Nous avons demandé au président de recevoir une délégation du conseil du comité de défense. Et nous avons imposé le débat sur le projet médical, puisqu'il n'était pas prévu à l'ordre du jour. À la fin de ce conseil de surveillance, pas de ce débat improvisé et imposé, nous avons quitté la salle, un certain nombre de membres, et il n'y avait plus le quorum pour ouvrir le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance n'a pas pu se tenir. Peu de temps après, j'ai appris que le directeur voulait faire un conseil extraordinaire. Je lui ai dit que moi je n'étais pas libre, que je ne voulais pas de conseil extraordinaire tant que le projet médical ne serait pas à l'ordre du jour. Eh bien, c'est remis au mois de mars. Voilà. Voilà à quoi servent les élus par rapport à des élus de conseil d'administration de l'autre formule avant la loi Bachelot. Et si vous voulez, je voudrais quand même contredire un peu Paul. Mais c'est, ça, c'est dans nos habitudes. C'est pas votre combat et nous le nôtre. C'est notre combat à tous. Les élus ne sont pas différents de la population. Les élus sont dans la population. Et je vois tous les élus ici, présents. Ils sont dans la population. Moi, j'ai mon épouse qui a travaillé à la maternité. Mes enfants sont nés à la maternité. Et je vais dire, tous les élus qui sont présents, ça a été le cas. Nous utilisons tous les services de l'agglomération. Et il faut que donc la réponse soit apporté rapidement sur l'avenir des deux sites. Il n'est pas question qu'on fasse une usine à bébé, que ce soit sur Creil ou sur Senlis. Il faut garder des services à taille humaine. Cette taille humaine, elle est à Creil, elle est à Senlis, telle que c'est aujourd'hui. La réponse est politique. Elle n'est pas dans la gestion. Si on en fait une question de gestion, on se trompe parce qu'on ajuste toujours les besoins aux moyens.
alors que c'est le contraire. Il faut ajuster les moyens aux besoins de notre population. Alors quand je dis que c'est une réponse politique, deux, trois affirmations. Quand il y a eu la crise bancaire, est-ce qu'on a demandé aux banques de fermer ou est-ce qu'on a renfloué les banques? On les a renflouées. Et maintenant, ils font des profits. Ils ne rendent pas l'argent. Est-ce que 20 millions, puisque c'est ce qui manquerait à l'hôpital de Creil, est-ce que 20 millions, c'est trop difficile à trouver? On a fait un moratoire pour la Grèce. Est-ce qu'on ne peut pas faire un moratoire de 20 millions pour l'hôpital de Creil? Les hôpitaux payent la taxe sur les salaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer cette taxe puisque c'est un service public nécessaire à la population? Voilà, en quelques mots, si vous voulez, pourquoi je suis de ce combat. C'est un combat qui me touche, c'est-à-dire au cœur, mais aussi au cerveau, c'est-à-dire aussi, ça brusque mes idées, ça les chiffonne quand même pas mal. Et je crois que nous devons tous continuer le combat. Nous devons aller devant le ministère. Madame Buzyn n'a pas répondu, la lettre elle a 3 semaines. J'ai envoyé une lettre hier pour qu'elle puisse nous répondre. Elle a bien reçu, vite fait, en catimini, le député qui est né à Creil mais qui l'a oublié. Madame Loiseleur qui, j'allais dire, change d'avis comme de chemise parce que c'est sa maternité qui est sauvée. Je dis et je redis, notre combat, c'est le combat pour apporter les meilleurs soins, la meilleure réponse sanitaire à notre population sur le bassin de Creil et sur le bassin de Senlis. Merci.